Bonsoir tout le monde et bienvenue. Ce soir, nous avons David Brie qui va nous parler de La princesse au visage de nuit, qui est donc parmi les 25 sélectionnés du PLIB, les 26 maintenant, faut pas que j'oublie de le dire, les 26 sélectionnés du PLIB. Et alors déjà, David, comment est-ce que tu te sens par rapport à cette sélection ? Alors bonsoir tout le monde, alors évidemment très heureux. Je fais partie de ces auteurs qui ont quelques péchés pas forcément avouables où en fait on regarde pas mal les chroniques sur internet d'une part et puis forcément on est très touché et très attentif au prix et c'est vrai que ça fait je crois que ça fait trois parce que je ne sais plus s'il était créé quand Que passe-t-il vert était sorti, mais Que passe-t-il vert, je sais que j'avais été très attentif. Le garçon avait été pas mal lu aussi dans le cadre du PLIB. Et oui, évidemment, à chaque fois, on espère, et je fais partie de ceux qui espèrent évidemment, de se dire, j'espère être dans le PLIB. Pourquoi ? Parce que on écrit pas pour soi-même, on écrit parce qu'on a envie de raconter une histoire, on a envie de partager cette histoire. Et quand on est sélectionné dans ce genre de prix, ça veut dire déjà que l'histoire qu'on a racontée a pu toucher, alors que c'est évidemment le béaba. Et puis c'est l'occasion aussi qu'elle touche peut-être encore un peu plus de gens. Donc wow, je suis très heureux, très fier. Je suis vraiment ravi. Tant mieux. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de La princesse au visage de nuit succinctement pour donner peut-être envie à ceux qui ne l'auraient pas encore lu, eh bien de se plonger dedans? Alors, La princesse au visage de nuit, c'est un roman qui raconte l'histoire d'Hugo. Hugo, c'est un jeune homme qui, alors qu'il était enfant, alors qu'il avait 10 ans, il est parti dans les bois avec deux de ses amis à la recherche de la princesse au visage de nuit qui est une petite fille de légende qui exaucerait les vœux des enfants suffisamment malheureux pour aller la voir. Hugo y est parti avec ses amis quand il a repris ses esprits, il faisait nuit, il était seul, il était sorti de la forêt et il était entouré de policiers, de pompiers, de la moitié du village où il vivait. Et c'est à ce moment-là que les gens se sont rendus compte qu'Hugo était couvert de cicatrices, de maltraitance, et il a été placé. Il a quitté son village et il a vécu à Paris. Et il a tout fait pour oublier tout ça. Et le roman commence 20 ans plus tard. Hugo est un tout jeune trentenaire. Il a refait sa vie. Il a surtout tout fait pour oublier tout ça. Et Hugo est appelé parce que ses parents sont morts dans un accident de voiture. La personne au téléphone lui propose de venir, de retourner au village pour être présent à l'enterrement. Hugo accepte. Et il aurait dû y réfléchir avant de le faire. Et dès son retour, et le roman commence là-dessus, des choses un peu étranges commencent à revenir, à arriver. Et la sorcière du village, ces magnétiseuses, ces sorcières là qu'on connaît tous plus ou moins, arrive, le voit dans le cimetière et lui dit qu'il est de retour comme la princesse au visage de nuit. Et c'est un roman qui va raconter le retour d'Hugo sur les terres de son enfance, qui va raconter l'enquête qui va y avoir autour de la mort de ses parents et surtout qui va raconter la recherche de la vérité sur ce qui a pu se passer 20 ans auparavant. Pourquoi est-ce que Hugo est ressorti du bois tout seul? Où sont ses amis? Que sont-ils devenus? Et vraiment, c'est comprendre pourquoi est-ce que lui-même a perdu la mémoire et qu'il a oublié tout ça. C'est une quête de cette vérité-là. Oui, effectivement, c'est même plus une quête qu'une enquête, parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses pour Hugo quand même. Alors, j'ai beaucoup aimé les personnages que tu décris, que ce soit des personnages qui sont dans le présent, on va dire, d'Hugo, tous les villageois quand il revient dans son village natal, ses amis à Paris aussi, et puis les personnages qu'on peut voir justement avant dans son passé. Est-ce que tu t'es inspiré de personnes réelles pour ces personnages? Parce qu'ils sont très réalistes, ils ont vraiment des réactions très... Oui, très réalistes, très réelles, je trouve. En partie, en fait, je puise, mais je pense que je suis comme tous les auteurs, je puise un peu partout, je puise un tout petit peu parce que c'est vraiment pas le gros de mon inspiration, un tout petit peu dans mon entourage, sur des traits de caractère que je peux avoir chez les uns, chez les autres. Je pioche beaucoup chez moi,
Parce que je crois que pour faire des personnages crédibles, il faut qu'on comprenne les travers qu'ils peuvent avoir, les qualités qu'ils peuvent avoir, les peurs, les envies, etc. Parce que je pense qu'on peut difficilement écrire sur ce qu'on ne connaît pas. Donc je pioche aussi chez moi. Et l'idée que j'avais à la base, quand j'ai eu l'idée d'écrire La Princesse, c'était d'écrire aussi c'était de faire un conte pour adultes. J'aimais vraiment cette idée de faire ce conte pour adultes. Et j'ai aussi beaucoup pioché dans les archétypes qu'on connaît. Je voulais la sorcière. Donc c'est Lysène, la sorcière qu'on appelle comme ça d'ailleurs dans le roman. C'est un autre personnage que je vais pas nommer pour ceux qui n'ont pas lu le roman, qui est l'ogre, mais c'est évident que c'est l'ogre. C'est vraiment les deux principaux. Et puis après, il y a ces ambiances, il y a le château dans la forêt, c'est les châteaux aussi qu'on imagine. Et après, sur d'autres personnages, oui, il y a Monsieur Doumé, là pour le coup, qui lui, ça c'est mon grand-père, beaucoup, mon grand-père. Donc là, j'ai beaucoup pensé à lui en écrivant ce personnage. Voilà, c'est vraiment un mélange de tout ça. Et en fait, quand on écrit des romans et quand on invente des personnages, on se laisse imprégné par ces différentes inspirations, par ces différentes, par ces différentes sources d'inspiration, et c'est comme des Legos qui s'emboîtent et qui au final forment toute une galerie de personnages. Donc ouais, c'est vraiment un mélange de tout ça. Et je dirais, à part ces archétypes très forts de la sorcière et de l'ogre, le reste vraiment il s'est construit au fur et à mesure. Ok. Alors justement, tu en as parlé hein, dans ton résumé, tu abordes des sujets qui sont très très durs dans le roman, et notamment la maltraitance, hein, sous toutes ses formes, notamment envers les enfants. Et pourquoi est-ce que tu as choisi d'aborder ce sujet-là? Alors déjà, moi j'aime bien les histoires tristes. bon, pas que, mais j'aime beaucoup les histoires tristes. Je crois qu'on est, on a tous une part de souffrance en nous qui est plus ou moins forte, plus ou moins vif. Mais on a tous des histoires, on a tous eu une enfance. Et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est que ces petites peines d'enfants, ces peines qui sont des fois immenses d'enfants. Comment est-ce qu'on fait pour grandir avec? Comment est-ce qu'on fait pour devenir adulte? Comment est-ce qu'on fait pour se construire? Donc, parce qu'il y a déjà, c'est un sujet que j'aborde un peu différemment, mais c'est vraiment ce passage à l'âge adulte. Donc, parce qu'il y a, c'est un moment de bascule. Et c'est vraiment ce qui m'a intéressé. Alors que dans La Princesse, la bascule, on ne la voit pas. C'est le avant et le après. Ces souffrances, elles nous construisent. Elles nous modifient, elles nous font grandir, elles peuvent nous tuer aussi. Alors quand je dis nous, c'est évidemment c'est très général. Et c'est à la fois d'une insondable tristesse, mais c'est aussi, je parle souvent de résilience quand je parle de ce roman et quand je pense à ce roman, c'est la résilience, c'est le fait de revenir à son état normal, de résister, de faire quelque chose de tout ça. Et c'est vraiment c'est de tout ça que j'ai voulu parler. Et c'est, je crois que même si La Princesse est un roman qui est difficile, pour moi, ça reste un roman qui est quand même très lumineux, parce qu'en fait, même si certains n'y arrivent pas, et c'est, je le répète, c'est d'une insondable tristesse, vraiment, c'est moi quelque chose qui me touche beaucoup, d'autres y arrivent, malgré tout, et c'est ce malgré tout que j'ai voulu mettre dans La Princesse. Donc cette difficulté, cette tristesse, c'est malgré tout, on peut y arriver. Et du coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que on a tous une part de souffrance en nous, on a aussi tous évidemment une grande part de joie. Et moi, c'est cette part de souffrance que j'ai voulu parler. Alors, sans déplorer l'histoire, c'est un peu comme si je disais à cette part de souffrance qu'on a tous, ça vaut le coup quand même. Oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ce côté très lumineux, on le retrouve, je trouve, beaucoup malgré l'ambiance assez oppressante, finalement, du village et du roman. Justement, ces sujets assez durs, cette tristesse, ces difficultés de l'enfance, comment est-ce qu'on les aborde à l'âge adulte, tout ça, c'est des choses que tu as traitées finalement par le prisme de l'imaginaire dans ton roman. Pourquoi ce choix de l'imaginaire ? Il y a un truc, moi, qui me fascine dans l'imaginaire, c'est, et j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec les personnages, c'est les archétypes, et c'est tout l'imaginaire commun.
quand on parle d'une sorcière, rien qu'avec le mot sorcière, il y a tout ce qui arrive derrière, tout ce qu'elle. C'est comme si elle est, si Lisène, quand je dis que c'est une sorcière, il y avait une nuée autour d'elle de choses. Quand je parle d'elle en tant que sorcière, c'est des chauves-souris, c'est des chats, c'est de l'orage, c'est alors en plus j'en rajoute un peu, elle a un nez crochu, etc. Mais ça amène plein de choses. L'ogre aussi, sans en dire plus, on sait que l'ogre est maléfique et qu'il fait peur aux enfants et qu'il leur fait du mal. L'imaginaire, ça permet d'aborder des sujets qui sont très difficiles. Et dans La Princesse, les sujets, tu l'as dit, sont très difficiles. Ça permet de les aborder sans tout dire forcément. Ça permet d'évoquer, de proposer des choses très fortes, très violentes, très dures. Et le lecteur, ensuite, il prend ce qu'il veut dans l'imaginaire. Soit, si c'est trop dur pour lui, il peut rester sur des choses très, très de premier niveau. Une sorcière, c'est une sorcière. Un ogre, c'est un ogre. Ok, bah, il est grand, il est gros, il a pas l'air sympa, mais ça s'arrête là. L'imaginaire, du coup, permet ça et permet à ceux qui peuvent le faire, qui souhaitent le faire, d'aller un peu plus loin, de comprendre ce qui se passe derrière. L'imaginaire, c'est beaucoup de suppositions, d'imagination, parce qu'on fait appel à l'imaginaire du lecteur. Et moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est quand je raconte des histoires, je ne les raconte pas qu'avec des mots. Je les raconte aussi avec des images, avec cet imaginaire qu'on partage tous, parce qu'on est tous lecteurs, on a tous une culture un peu commune, on sait tous qui est Peter Pan, on sait tous qui est le roi Arthur, on sait tous ce que c'est qu'une sorcière et une fée, et c'est ça qu'on partage. Et moi, je trouve qu'il y a un côté vraiment magique, c'est quelque chose qui me fascine. Donc ouais, l'imaginaire, c'est le domaine dans lequel moi je suis le plus à l'aise pour parler des sujets dont je pourrais pas parler autrement, d'ailleurs. Cette violence-là, cette maltraitance-là, je suis incapable d'en parler autrement qu'avec ce prisme de l'imaginaire. Oui, ce qui rejoint du coup une autre question que j'avais par rapport au fait que dans La Princesse au visage de nuit, il n'y a jamais de scène violente. Tout est dans la suggestion. Il n'y a jamais de. Tu nous montres jamais en fait frontalement une scène de violence. Est-ce que c'est justement pour avoir ce côté plus accessible, plus facile peut-être à appréhender pour des personnes qui ne seraient pas capables justement de voir, enfin, qui n'ont pas envie peut-être de voir ces violences-là? Ouais, complètement. Et alors pour le coup, moi je suis le premier. Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est gore, tout ce qui est horreur. J'y suis très sensible. Alors ce qui est marrant, c'est que quand j'écrivais La Princesse, du coup mon éditeur la lisait presque en même temps, et je lisais où j'avais lu juste avant Et Dieu se leva du pied gauche de Doreen Miller, qui est édité aussi chez L'Homme sans nom, donc chez mon éditeur. Et dans ce roman, à Oren, il y a beaucoup de tortures d'enfants. Et alors c'est pas terrible. Enfin bon, en tout cas, c'était suffisamment fort pour que moi ça m'émeuve, ça me choque. Et du coup, je disais à mon éditeur, oh non, mais c'est horrible ce qu'elle a écrit. Enfin, le bouquin est super. Hein. J'ai adoré le bouquin. Mais j'ai mort franchement, mais c'est atroce. Et il me regardait puis il me disait, David, tu fais 10 fois pire. Et en fait, j'ai pas l'impression de faire pire, vraiment. Parce que, en fait, c'est ce que moi je supporte. Cette chose, c'est ce que je dis. Effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que en fait, cet imaginaire, c'est aussi une sorte de protection. Et moi, ça me protège. Alors que c'est vraiment un truc, c'est très ambivalent, en fait. Je veux écrire des choses qui sont en effet très violentes, très dures. Parce que c'est terrible ce qui se passe, vraiment. Et là, pour le coup, j'en ai pleinement conscience. Mais en même temps, avec le voile de l'imaginaire, le filtre de l'imaginaire, c'est très, on peut s'en protéger. Et oui, moi, clairement, la violence, notamment sur les enfants, pour moi, c'est quelque chose d'insupportable. Game of Thrones, j'ai voulu regarder. Alors, tous mes potes, tout le monde adorait. Hein. Donc, vraiment, je me suis dit, allez, c'est bon, faut que je regarde aussi. Et en fait, je me suis arrêté assez rapidement parce que beaucoup trop violent, notamment vis-à-vis des enfants. Donc, ouais, non, je suis une petite souris par rapport à tout ça. Ok. J'ai une autre question par rapport plutôt à la princesse, du coup, en elle-même. C'est un personnage, du coup, qui va énormément habiter le roman, même si on ne la découvre quand même pas tout de suite. Et pour toi, qu'est-ce qu'elle est, la princesse au visage de lui? Est-ce que c'est un symbole? Qu'est-ce qu'elle représente, en fait, dans ton roman? C'est la mort, la princesse, c'est, j'allais dire, c'est uniquement ça, et c'est tout ça, surtout. La princesse, c'est la mort, sauf que quand on a 10 ans,
on ne peut pas dire qu'on va chercher la mort. C'est trop terrible. Et heureusement qu'on ne peut pas le dire. Un enfant, mais c'est là aussi, c'est ce que j'aime aussi dans ce roman et ce que je veux vous dire, c'est que quand on a 8 ans, quand on a 10 ans, on est encore dans cet âge où tout est encore un peu rêve, où tout est encore extraordinaire, où tout est magique. Et la magie, des fois, peut nous sauver. Et la princesse, c'est une magie qui peut nous sauver, sauf que c'est la mort. Et ses enfants, certains enfants, sont tellement malheureux qu'ils n'ont plus que ça. Et dans la légende, d'ailleurs, dans le roman, le dit bien, hein, c'est la princesse, elle sauve les enfants suffisamment malheureux pour aller la voir. Ça veut tout dire. Ah, c'est pas dit avec des mots, mais ça, oui, ça voilà. Peut tout dire. Et d'ailleurs, les enfants dans le roman, quand ils jouent à la princesse au visage de nuit, bon, en fait, ceux que la princesse attrape, ils meurent. Bon, il n'y a pas de secret autour de ça. Et c'est ça que j'aime aussi, que moi j'ai trouvé joli dans ce symbole-là, ou dans ce, oui, dans cette image de la princesse, c'est qu'en fait, tout le monde le sait, tout le monde le sent. Mais ce n'est pas dit parce que ce n'est pas, on peut pas le dire, c'est pas possible. Parce que associer la notion de suicide avec l'enfance, c'est trop terrible. Voilà, donc la princesse, c'est cette mort-là, mais c'est une mort, oui, c'est une mort pour la délivrance. Ok. Alors, une autre question importante pour moi, parce que c'est quand même un roman qui m'a tenu en haleine jusqu'au bout. Et je ne savais absolument pas à quoi m'attendre jusqu'à la fin. Et comment est-ce que tu as fait, du coup? Comment est-ce que tu as construit ton récit pour garder tout ce suspense jusqu'à la fin? Ça s'est fait... Il y a deux choses. Il y a un peu de technique. En plus, c'était pas très compliqué. Je commençais par la technique. C'est en fait... J'ai mis en place des comptes. En fait, l'histoire commence et tout de suite on a un décompte avec alors je sais plus si c'est 12 ou 13 jours ou 11 jours avant le solstice, et du coup on sait qu'il va se passer quelque chose au solstice, mais en fait tout le roman je l'avais centré là-dessus, j'avais construit autour de ce solstice d'été, hein, qui est le même que celui qui a eu lieu 20 ans auparavant, et en fait l'enquête avance, les révélations avancent et vont mener jusqu'à ce solstice. Ça, c'est la manière dont j'ai construit le roman. Après, l'autre manière qui est un peu, qui je pense participe, même si moi je l'ai pas fait pour ça, c'est que quand Hugo arrive au village pour l'enterrement, il n'y a pas de fantastique trop tout de suite. C'est des petites choses à droite à gauche qui au premier regard, si on fait pas trop attention, ça pourrait être normal. Et puis il y en a une autre après, et puis après c'est encore un peu plus fort, et puis après c'est mais est-ce que j'ai bien entendu, est-ce que c'était vraiment un prénom, tiens ça bouge dans les fourrés, et petit à petit c'est de plus en plus fantastique. Ce que je voulais faire dans ce roman, c'était qu'on ne sache pas trop est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et je me suis rendu compte que ça participait aussi à cet effet un peu de suspense, que comme ça augmente au fur et à mesure, en fait, ça rajoute une sorte de pression, une sorte de qu'est-ce qui va se passer. Donc, voilà, et si ça marche, moi, je suis ravi, parce que c'est super important. Bon, en tout cas, ça a très bien marché sur moi. Hein. Ouais. Jusqu'au bout, je n'étais pas sûre qu'il y ait vraiment du fantastique dans ton roman. Et je me posais des questions. Est-ce que Hugo, en fait, il entend et il voit des choses aussi, parce que bah il est tellement là-dedans que ça commence à lui porter sur la tête. Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Et jusqu'au bout, je me suis posé la question, parce que finalement, on est dans un village où il se passe beaucoup de choses terribles, et on peut se dire jusqu'au bout, est-ce que c'est juste une atrocité, mais juste humaine, quoi? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Et ce truc, ça marchait très bien. En tout cas, sur moi, ça a très bien fonctionné. Bon, super, super. Non, c'est vraiment, de la même manière que les enfants dans l'histoire se réfugient dans la magie, se réfugient dans l'imaginaire, se réfugient dans les légendes, on peut aussi le faire à 30 ans, quand les choses sont trop violentes. C'est une manière de les vivre. Et ouais, cette ligne de crête-là, entre le réalisme et le fantastique, j'ai beaucoup, beaucoup aimé rester dessus. Alors justement, ça m'a fait beaucoup penser à une série sur Netflix, Dark.
Ça m'a beaucoup. L'ambiance du roman m'a énormément fait penser à cette série, que ce soit parce que, bah voilà, il y a tout ce village avec cette ambiance, ces non-dits, ces secrets. Il y avait beaucoup de choses là-dedans. Quelles sont tes inspirations pour la princesse au visage de nuit? Pardon. Alors, moi, je regarde pas du tout de, je regarde pas la télé, je regarde pas de série parce que j'ai pas le temps. En fait, écrire, ça prend, c'est juste écrire, ça prend un temps phénoménal. J'adore ça. Et puis que je lis aussi beaucoup. Et du coup, j'ai pas, et puis j'ai pas cette attirance quoi, avec le cinéma, avec les séries. Même si, alors que c'est, je suis convaincu de la qualité là-dessus. Il y a aucun doute. Mais c'est pas quelque chose qui me, moi, je Oui, préfère qui lire un t'attire. bouquin. Ouais, je préfère lire un bouquin que regarder. Au grand désespoir de mes gamins qui te disent mais pourquoi? Je dis bah juste que c'est vachement mieux. Mes inspirations, alors moi j'habite à la campagne, j'habite dans une vallée qui ressemble beaucoup à la vallée de la Princesse. Je me suis beaucoup inspiré parce que j'habite à un endroit que j'aime énormément, avec des grandes forêts, avec la rivière qui coule au fond. Le village où le roman se passe, c'est un mélange des deux villages qui sont à côté de là où j'habite. Donc je me suis inspiré de ça, je me suis aussi inspiré des maisons de mon enfance, parce que il y avait ce côté enfance, ce côté mystérieux, ce côté pour l'écrire, je me suis replongé un peu dans cette époque-là. Alors, le roman n'est pas du tout autobiographique, hein, mais je sais, par exemple, j'ai mis beaucoup de musique des années 80 que j'écoutais quand j'étais beaucoup plus jeune, pour essayer de retrouver tout ça. Et la princesse, l'ambiance de la princesse, c'est vraiment ce mélange de l'endroit où je vis aujourd'hui, l'endroit où je vivais quand j'étais enfant, ce que j'ai pu comprendre de mes amis, de moi, de mon entourage, et puis de ce que je vois aussi du monde, évidemment aujourd'hui, hein, sur l'enfance. Et l'inspiration vient vraiment de tout ça. Et l'ambiance, ce qui est assez surprenant, enfin ce qui moi en tout cas me surprend, c'est qu'en fait, c'est fréquent quand on écrit. C'est que j'ai pas voulu mettre tant de glauque que ça dans le village. C'était pas, j'étais plus, j'étais vraiment dans la description. En fait, j'étais dans mon truc, j'étais dans la description. Et pour moi, c'est la forêt qui était plus inquiétante. Et en fait, quand je vois les chroniques, je vois beaucoup de ce village est super glauque et les gens sont super glauques. Et ça découle du reste. Mon point d'attention, il n'était pas sur le fait de rendre les gens glauques. Mon point d'attention, il était sur le fait de rendre la forêt mystérieuse, de faire en sorte que le roman soit prenant, qu'il y ait, comme je disais tout à l'heure, cette ligne de crête entre le réalisme et le fantastique. Et il n'était pas sur le fait de rendre le village glauque. C'est un effet de bord, ça a provoqué ça. Bon, j'en suis ravi, mais ça vient. Ouais, ça vient. C'est pas le truc principal que je voulais faire, même si ça marche très bien, j'en suis ravi. Oui, en fait, tu t'es beaucoup plus axé, si je comprends bien, sur la création d'une ambiance. Ah mais complètement. Ah ouais, je voulais ça. Je voulais ça. Moi, quand je pense à la princesse, je pense à la forêt, je pense à l'orage qui gronde, je pense à l'obscurité de la forêt, je pense aux corbeaux qui volent dans le ciel, qui s'envolent, on ne sait pas trop pourquoi. Je pense au vent, et je pense bien évidemment aussi aux lucioles. Voilà. Et Oui. c'est ça, en fait, c'est toutes ces images-là qui ont dû, enfin, et là pour le coup, c'est fait exprès, qui doivent teinter tout le reste, qui doivent teinter le village, les personnages, les relations. Parce que bah, typiquement, il n'y a pas de personne n'est super heureux dans cette histoire, parce que ça va pas avec l'ambiance que j'ai voulu mettre, même s'ils essaient d'être heureux. Et ça, je trouve ça aussi très. C'est aussi ce qui me touche dans cette histoire, c'est que, et ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, c'est que malgré tout, on peut être heureux, en tout cas essayer d'être heureux. Et c'est comment est-ce qu'on fait? Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur ton roman pour nous donner encore plus envie? Je crois que là, c'est bon, hein. Je vois que dans le chat, il y a quand même des gens intéressés et beaucoup de personnes d'ailleurs qui rebondissent, hein, sur ce que tu dis, et notamment quelqu'un qui dit les scènes ne sont pas détaillées, mais c'est assez explicite pour qu'on voit les scènes horribles quand même. Et je suis assez Ouais, d'accord. Vraiment rien à je suis détailler. désolé. En fait, finalement, la suggestion, ça suffisait. Je vois qu'effectivement, l'ambiance, ça marche bien. Et effectivement, beaucoup parlent du village. Le mot, enfin le mot de la fin sur la princesse, moi c'est un roman qui m'a beaucoup touché. Après, je crois que je crois qu'on peut écrire que sur ce qui nous touche, parce que ça, c'est ça qu'on a envie de partager.
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi travailler la poésie que passe l'hiver. Alors, j'ai travaillé énormément la poésie sur que passe l'hiver. La poésie, c'est quelque chose qui accompagne la joie, qui accompagne aussi la tristesse. Donc voilà, j'ai essayé de mettre un peu de poésie aussi dans cette princesse parce que les histoires tristes, c'est aussi des histoires belles. Et que dans toute histoire de mort, il y a aussi une histoire de vie. Donc voilà, c'est tout ça que j'ai voulu mettre dans ce roman. Voilà, j'espère que je suis très content que ça t'ait plu. Je suis très content que ça ait plu. Je suis très touché par les retours que je peux voir sur Internet. Voilà, donc je suis très heureux. Une fois de plus, je suis très heureux de faire partie des 26. Je souhaite bonne chance à tout le monde. C'est une chouette aventure imaginaire, là où c'est très chouette comme monde en termes de littérature. C'est que c'est un monde qui est plutôt bienveillant, même très bienveillant. Et que typiquement, dans les 26, je pense qu'on sera très nombreux à être très content d'y être et d'être content pour les autres si c'est les autres qui passent la prochaine étape. Donc voilà, moi je suis ravi d'être là et ravi d'avoir pu échanger avec toi ce soir. Merci beaucoup et merci à toi du coup pour cette interview. Et puis bah du coup je vais te souhaiter une excellente soirée. Bonne soirée aussi à tous ceux qui étaient présents et qui ont regardé cette interview en live. Et puis à très bientôt. Merci Laure et merci à tous. Au revoir. Au revoir.